volupté. Sa sincérité sont des vertus que nous garderons avec grâce. Deuxième constatation. Depuis que j'ai fait la connaissance de Maître Grégoire, Maître Grégoire n'a jamais persisté dans la haine de l'autre, connu ou inconnu. Il a échappé au repli égoïste et n'a jamais pratiqué la violence verbale, physique, ni cédé à l'incompréhension répétitive vis-à-vis de son prochain. Ainsi, il pensait et ainsi, il disait. Il agissait. Il n'a jamais proposé le respect mutuel, la solidarité, la simplicité, la convivialité. Troisième constatation. Lors de nos discussions, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan profane, amical, j'ai remarqué dans tous ces propos qu'il était un homme de foi. Un homme de foi. Il ne pouvait rien dire sans en être imprégné, sans être convaincu. Il avait foi. Il avait foi surtout en l'homme. Étant l'avocat de l'État togolais, c'est le président de la République de l'État, il était avocat de l'État togolais. Et je sais qu'il n'est pas le seul avocat de l'État togolais. Avec plusieurs avocats togolais. C'est pas sa condition d'État togolais. Le chef président y a demandé un vital un jour et lui confère une affaire, un dossier qui était pendant devant la commission des droits de l'homme en Genève. Et le Togo était sur le banc des accusés. Avant de le quitter, avant de le quitter le gouvernement, le président Yadema lui demande à qui penses-tu qui peut t'accompagner à Genève? Et au nom de notre amitié, Maître Grégoire répondit spontanément, sans hésiter, le premier substitut du procureur de la République. Qui est à l'époque le jeune substitut du procureur, me dit-il après. Je fus alors appelé à la présidence. Arrivé, je vis mon frère et un inconnu assis à côté du président. Ainsi, le chef de l'État m'instruit sur le pourquoi j'étais invité. Je cite. Tu iras avec Maître Grégoire, avocat de l'État togolais à Genève, pour défendre un dossier togolais dont il t'en parlera. Fin de citation. Après un mois durant le travail à Genève, nous sommes rentrés triomphalement. Thank you.
Yeah.